Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler de Winner Winner. Donc, c'est quoi ce Winner Winner? C'est un petit tour simple, parce que souvent, il y en a qui nous disent que quand la routine est trop longue, c'est embêtant, j'aime pas trop, c'est trop long. Bah, parce que nous, on a l'habitude aussi de faire des routines trop longues. Et ce tour, c'est Out of His World, c'est comme White Star, Génétique, il y en a sûrement d'autres. Et où c'est je prends deux cartes et le spectateur choisit une pour lui, l'autre qu'on jette, j'en reprends deux, le spectateur choisit pour moi une et l'autre jette, et ainsi de suite. Et à la fin, sur Out of His World, sur White Star, c'est les morts et les vivants. Sur Génétique, c'est plutôt les femmes et les hommes. Et à la fin, il y a une correspondance, tout ça. Poker extrême qui est dans le même style. Poker extrême qui est dans le même style, voilà. Mais à chaque fois, c'est des routines vachement plus longues où on peut construire des choses, où on peut parler mystique, par exemple sur White Star. On parle du Titanic, on parle des survivants, des trucs comme ça. C'est une routine plus longue. Là, c'est la même chose, mais plus rapide, plus simple, il y a moins de cartes. Et c'est basé sur celui-ci, sur de l'argent. C'est-à-dire que à la fin, il y a un gain à gagner. C'est-à-dire que ce que tu auras dans ton paquet, eh bien, on regardera le nombre de pièces et de billets, parce qu'il y a des pièces, des billets, des pièces, des billets, donc des billets, des pièces, et un peu tout ça. Donc, je ne sais pas si on voit. Hein. Tac, tac, tac. Donc, tu vas choisir. Ah oui. Il y a des pièces d'un côté et derrière marqué winner. Winner, ça veut dire gagner. Donc même si c'est en anglais, c'est pas gênant. Ou gagnant. Ou gagnant. Et là, il y a une pièce marquée 1. Ça peut faire autant un sou de Thaïlande que de France. Donc ça peut être dans n'importe quel pays. C'est universel. Voilà, c'est universel. On peut jouer partout. Et donc à la fin, on regarde les cartes que tu as, on regarde les miennes, et celui qui a le plus qui reçoit la même chose, il a gagné. Donc on met un billet sur la table, une pièce, et on peut jouer. Si tu veux, on peut jouer, Jérôme. Allez. Ça, c'est pour toi. Tu choisis une pour toi, une qu'on jette, dessus ou dessous. Allez, celle du dessous. Pour toi, l'autre, on jette. Donc c'est le spectateur qui comprend de suite ce qu'il faut faire. Dessus. Donc ça c'est pour moi, dessus. Il comprend de suite que c'est lui qui choisit et qu'il ne peut pas y avoir d'embrouille. Dessus. Dessus pour toi, l'autre on jette. Donc là c'est pour moi. Dessus. Dessus. Donc il n'y a pas d'embrouille avec Jérôme, il n'y a pas de Dessous. connivence. C'est vraiment un tour entièrement automatique. Et dessous. Et dessous. Et c'est vous qui décidez ce qui va se passer à la fin. Donc moi je regarde tes cartes et alors tant que je compte. C'est quoi qu'il y a le plus? C'est les pièces. Hein. Donc, tu as gagné des petites pièces. Et moi, ben, bien entendu, peut-être des petites pièces aussi. Non, cette fois-ci, moi, j'ai gagné des billets. Donc, voilà, c'est simple, rapide. On comprend de suite ce qu'il faut faire. Et ça peut tenir dans la poche. Ça peut être dégainé. Ça peut traîner dans notre portefeuille et le faire à n'importe quel moment. Même si vous le refaites dans un an. Il n'y a pas besoin de ressortir la notice pour savoir comment ça marche. Vous rappellerez instantanément. On ne peut pas l'oublier. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, c'est du rapide, c'est du pas cher, c'est du transportable. Et il y a un jeu. Cette fois-ci, il y a un jeu par rapport aux autres où c'était une histoire qu'on racontait. Là, il y a un jeu et on gagne ou on perd. C'est ça qui est bien. Donc vous pouvez faire gagner le spectateur ou le faire perdre. Là, moi, j'aime bien gagner. Hein, c'est comme ça. Voilà, ça c'était Winner Winner. C'est à vous de voir si ça vous plaît, si ça peut contenir dans votre mallette, si ça peut être intéressant, ça peut changer un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas si c'est des tours qui vous plaisent. Je parle sur une vidéo et je peux atteindre n'importe quel magicien. Donc du 8 ans jusqu'au 99 ans, ça peut marcher. Même un petit peut comprendre. Même 7 ans, je suis sûr qu'ils savent comment ça marche. Voilà, tout le monde peut le faire, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Ça s'appelle Winner Winner et c'est que du bonheur. T'as vu, ça rime. C'est pas faux. Allez, et mettez des j'aime, mettez des ce que vous voulez, mettez-y et ça fait toujours plaisir. Merci à vous, à bientôt.